Et bonjour à tous. Donc, série de vidéos sur les albums Panini. Je vais vous présenter mes albums Panini que je collectionne depuis. Alors pas depuis que je suis tout petit. Petit, j'en avais, mais dans ce que vous voyez là, il n'y a aucun album que j'avais quand j'étais petit. J'ai tout perdu ou j'ai tout jeté. Enfin bref, je les ai récupérés en grande majorité en vide-grenier pour les anciens, en très peu sur Internet. Et dans le commerce pour les plus récents. Donc je ne cherche pas à tout compléter, mais je veux plein d'albums. Et j'ai commencé à m'inscrire sur le site Panini Mania pour procéder à des échanges entre particuliers de double d'images. Et ça prend beaucoup de temps. Donc ici on a trois tas, parce que je ne peux pas tout présenter, ou alors ça serait passé très vite, sur chaque album. Donc, ici, premier tas, on a des albums des années 70. Alors, des années 70, il y en a très peu, il y en a peut-être deux ou trois, hein, des très vieilles œuvres. Et ensuite, toutes les années 80, donc ce que moi je collectionnais quand j'étais petit, du Cosmo Cats, du Cobra, du Olivier Tom, etc. Ici, on a les années 90, alors ça c'est tout début 90, ça c'est milieu 90, c'est le Roi Lion, etc. Et ici, vous avez 2000 jusqu'à maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de 2000 jusqu'à maintenant que les années 90. Mais ceci, on va passer vite fait dessus parce que sur certains, j'aurais pas grand-chose à dire parce que j'ai pas le côté nostalgique, j'ai pas l'anecdote. Donc voilà, on va donc commencer cette première vidéo. On va faire trois vidéos. La première vidéo, on va vous présenter mes albums années 70 et 80. Donc dans les albums, rapidement, il y a des choses que j'achète pour moi. Il y a des choses qui sont des œuvres que ma fille aime beaucoup, des choses qu'elle a vu Disney, ou des œuvres Harry Potter que ma femme aime beaucoup. Voilà. Donc tout n'est pas, on va dire, ma propriété, mais ça, c'est tous les albums Panini qu'on a à la maison. Du coup, il y en a une centaine, alors il y en a 100 ou 101, très exactement, parce que jusqu'à présent, quand j'essayais de les compter, je les comptais une première fois et j'en trouvais 99, voilà, en comptant les doubles aussi. Pour recompter, pour être sûr, j'en trouvais 100. Et si je recomptais, j'en trouvais de nouveau 99. Donc en fait, j'en avais 99 ou 100, je ne savais pas. Et entre-temps, j'en ai retrouvé 2. Donc voilà, donc j'en ai 2 de plus. Donc j'en ai 100 ou 101. Voilà, j'ai atteint la centaine. Donc voilà, on va commencer par les années 70 et 80. Allez, c'est parti pour une présentation de mes albums années 70 et 80. Cosmo Cats, Thundercats en VO, un produit purement américain, une série vendue, une série de qualité pour vendre des jouets. Donc c'était pas une série de très grande originalité, quoique, mais en tout cas, juste pour vendre des jouets, on peut dire que Thundercats c'est un très beau produit. J'ai deux albums achetés au vide-grenier. Donc j'ai réussi à avoir un poster. Donc j'ai un poster avec des brillantes à compléter. C'est la petite de mes priorités, les posters à compléter. Donc deux albums. Il y a un qui est un peu plus complet que l'autre. Voilà. Montre un petit peu. Donc j'ai la chance d'en posséder deux. Allez, Cosmo Cats, ça c'est fait. Là, on entend Capitaine Flamme. Alors justement, j'ai eu la chance d'en trouver un aussi, Captain Flame. Il est bien épais, il y a beaucoup de pages, beaucoup de vignettes. On approche des 300-400 vignettes, à l'image derrière, dernière image qui est complétée ici. Voilà, donc ça c'est début des années 80, 83 je crois, 81 même. Et il est pas complet, mais il y a quand même pas mal d'images. Par contre, des images qui sont pas forcément faciles à trouver. On trouve plus difficilement Capitaine Flamme, Ulysse, Goldorak, on trouve plus facilement du Olive Tom, du G.I. Joe, du Masque. G.I. Joe justement ici. Donc celui-ci, pareillement, il est encore plus complet. Il manque peu d'images pour celui-là. Donc je pense que je vais pouvoir réussir à le compléter. Surtout que j'en ai plusieurs en double à échanger. G.I. Joe, Héros sans frontières. Je passe assez vite sur chaque album. Mon but c'était de vous les montrer tous parce que j'ai fait des essais de vidéos
auparavant, ces jours derniers, et à chaque fois, la vidéo, le fichier vidéo plantait. Je pense parce qu'il était trop lourd, donc il faut vraiment que je passe vite. Bisounours, là en revanche, il est incomplet. J'avais un Bisounours, un album, quand j'étais petit, mais je pense pas que c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là que j'avais. Avec des lettres, ici des lettres alphabet en sorte d'autocollant transparent qui se mettent sous forme de pochoir, très sympa. Bisounours, j'en ai qu'un seul Bisounours. Lady Oscar, non, celui-ci je l'avais pas quand j'étais petit. Il a un format plus petit. Voilà, c'est jamais Bisounours qui a un taille classique. Hein. Les albums Panini qu'on trouve maintenant, des récents, ont ce format-là. Lady Oscar, lui, était un peu plus petit, mais un peu plus large. Donc Lady Oscar, il y avait des brillantes. Alors je sais plus si elles sont au milieu de l'album. Je pense pas qu'il y avait un poster. Non, je sais plus. Donc là par contre j'ai beaucoup. Enfin il m'en manque. Je sais qu'il me manque des images. Mais alors je l'ai trouvé. Je l'ai vu qu'une seule fois au vide-grenier, vu que j'ai cassé l'exemplaire. Et avec pas mal d'images quand même. Je suis quand même assez content. Même très content. Un autre album où je suis très content de l'avoir trouvé, Transformers. Alors, ici, le prix a été écrit en francs. N'écrivez pas au marqueur sur les objets que vous vendez le prix. C'est bon, voilà. Je sais que c'est que représenter Canal, c'est juste écrire sur un album. Mais bon, on n'y peut rien. Je suis très content de l'avoir trouvé quand même. Hein. Surtout qu'il est pratiquement complet. Il doit me manquer moins de 5 images. Donc là, dans cet album Transformers. Il y a des brillantes à coller. Il n'y a pas de poster. Allez, on continue. Avec Embrasse-moi Lucille. Là, par contre, beaucoup de manquants. Je dirais que j'ai la moitié de l'album en image, voire un peu moins. Voilà. Embrasse-moi Lucille. Ou alors Lucille, amour et rock'n'roll. Ça dépend de l'époque où c'était diffusé. Alors, la suite. Avec l'album de Masque. Voilà, les jouets qui étaient à l'époque de très bonne qualité. On s'en est rendu compte bien des années après. 4 francs, cet album-là, de 1986. Je ne vais pas à chaque fois vous indiquer le prix de l'album, hein, mais c'est pour vous dire juste qu'il y a eu une évolution. Plus l'album était ancien et moins il coûtait cher. Aujourd'hui, c'est, je le rappelle, 2,50 € l'album. Donc cet album de Masque, quand je l'ai acheté, il était pratiquement complet. J'ai pu moins rajouter des images que j'avais déjà avant, récupérer un vide-grenier. Du coup, j'ai pu bien le compléter, mais il m'en manque moins d'une dizaine, je crois. Malheureusement, il n'y a pas de poster dans cet album. Donc, cet album de Masque, je l'ai cherché pendant 20 ans. Voilà. Je sais que j'ai acheté un vide-grenier un an avant qu'on soit confiné. Donc, c'était en été 2019, à la période des vide-greniers. C'était avant le confinement. Et il était, quelqu'un le vendait avec d'autres albums à 10 euros. Donc, je savais que j'allais acheter cet album de Masque à 10 euros. Parce qu'il était déjà en état correct. Avec beaucoup d'images collées dedans. Et surtout, en 20 ans de vide-grenier, c'était la première fois que je tombais dessus. Donc, très content. J'ai pas acheté les autres parce que 10 euros, ça faisait quand même cher. Mais pour cet album de Masque, j'arrivais pas à mettre la main dessus. Sur internet, il est en vente 25 €, 30, voire même plus. Les gens le vendent complet à 50 €. Donc j'étais très content de l'avoir trouvé. Je le cherchais depuis très 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 longtemps. Donc j'ai trouvé qu'une seule fois. Un album Pif et Hercule. Supplément gratuit. Justement, Pif et Hercule, on trouvait donc gratuit, c'était celui-ci. Est à vendre 6 francs, donc supplémentaire gratuit au pif, numéro 1083. Et ce que j'aime bien à l'intérieur, c'est les visuels en couleur, donc officiels, hein. Et ce qu'on trouvait dans pas beaucoup de Panini. On a aussi des brillantes, donc les illustrations en couleur, donc qui étaient assez sympas, je trouve. On voyait ça assez peu souvent, hein. C'était beaucoup d'images bicolores. Petite image sympathique aussi. Donc sympathique cet album de Pif Hercule. On entend un générique du disque. Donc
un album Ulysse 31. Donc là, ici, on n'est pas sur du Panini, on est sur du AG ou Age ou Edge. Donc, ça, je ne connaissais pas. C'est quand je suis tombé dessus que j'ai pu me renseigner. Au dos, l'illustration du 45 tours, le générique du dessin animé. Donc, cet album-là, il a une forme un peu spéciale. Voilà. Si je mets l'album juste avant de Pfi Hercule, l'Ulysse 31 est moins haut, moins grand, mais beaucoup plus large. Ou beaucoup plus long, comme vous préférez. Donc, un format un petit peu différent. Donc, je l'ai trouvé avec un album Capitaine Flamme, celui-ci justement. Donc, deux albums très très anciens que j'avais jamais vus, que je voyais pour la première fois, à quelqu'un qui me les a vendus en vide-grenier, pour vraiment pas grand-chose. Donc, j'étais très 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 content. Malheureusement, il est assez peu complet, voire très peu d'images dedans. Voilà. Donc, on ne peut pas tout avoir. Je suis déjà très 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 content de l'avoir trouvé. La pochette ici, la couverture, est assez fine. Hein. Je pense que ça, c'est un album qui m'a l'air un peu plus fragile que les albums de Panini. Hein. 1980 celui-là, donc une image bien sympathique. Un autre vieux dessin animé, Candy, avec aussi quelque chose qui ressemble à un timbre, un autocollant. École publique, Gaston Lagaffe, j'hésite à essayer de le retirer. Alors, j'ai peur de faire pire encore, donc on ne peut pas tout avoir. Donc il y a la pluie humidité, il est assez dégradé. Mais malgré tout, il n'est pas déchiré pour autant. La couverture, elle se tient. Un petit peu d'image collée dedans, voilà. C'est pas quelque chose que j'avais quand j'étais petit, ça, un album Candy. Voilà. Mais si un jour j'ai la chance de tomber sur des images, eh bien j'aurai un album au moins pour les coller dedans. Alors que commence un album Albator, un album générique Albator, mais j'ai pas de Panini Albator. Blanche Neige et les 7 mains. Donc ici figurine Panini, donc Panini ou figurine Panini, c'est la même chose. Hein. Donc ici on est sur encore un format assez différent. Voilà, cet album Blanche Neige est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand qu'un album de masque. Voilà, beaucoup plus grand. Donc ça, quand je l'ai vu en vide-grenier, ce type d'album-là, cet album Blanche-Neige, c'était la première fois que je le voyais. Donc, j'ouvre, bon, il est assez dégradé, voilà. Mais quand on recherche des albums Panini, on est très 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 content de tomber sur ce genre de choses. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'images de collées. Il n'est pas complet. Mais bon, je ne pense pas que je vais un jour avoir envie de compléter cet album Blanche-Neige. Hein. Mais je suis quand même bien content de l'avoir, surtout que je ne connaissais pas les existences d'albums de cette taille-là. Avec ici, on voit 9 images qui composent une seule image. J'ai vu un album sur lequel on avait 12 images, donc toute une page pour faire un grand visuel. Je ne sais plus lequel c'était. Voilà. Galaxy Rangers, donc ça aussi, très content de le posséder aussi. Il n'y a pas beaucoup d'images collées dedans. Il n'est pas âge complet, mais voilà, mais j'ai pas grand chose. Et j'ai quelques doubles que je propose à l'échange. J'ai pas de poster de ça. En même temps, les brillantes se collent dans l'album, donc je pense, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de poster pour cet album-là. Après Blanche-Neige, j'ai Disney Les 101 Dalmatiens. Donc il reprend le film. Bon, le film en dessin animé. Hein. Donc celui-ci est complet. Donc sur une chaîne YouTube que j'avais faite il y a un peu plus de 10 ans, où je montrais des albums en vidéo. Cet album-là, Descend Dalmatien, est celui qui a c'est la vidéo qui a le plus de vues. Donc là, ça a rappelé beaucoup de choses à certains. Il est beau, hein, parce que tout l'intérieur, c'est des scènes du dessin animé. Donc ça, c'est très, très, très appréciable. En plus, le papier un petit peu glacé, voire complètement.
Ah, ici les pages du milieu qui se décollent. Donc un album complet. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Film des années. C'est fin 80 celui-là. Je crois qu'il est complet aussi. Voilà, avec des scènes du film, évidemment. Il n'y a pas de brillante, je crois. Non, il n'y a pas de brillante. Donc, peut-être qu'il y avait un poster. Donc, pareil, ces albums-là, si j'en ai qu'un seul exemplaire, c'est que je l'ai vu, c'est que je les ai trouvés qu'une seule fois. Rémi, 1977, avec l'ancien logo de TF1, même si là il est encore un petit peu différent. Donc ici, malheureusement, très peu d'images de collées dedans. Donc Rémi, il y a un très gros album. Pourquoi je dis très gros? Parce qu'il y a en tout 400 images. Hein. On était plutôt aux alentours de. On arrive à 300 sur certains albums. Pour ce qui est du football, bon, le football, ça expose tout. Il y a 600 images et quelques, les albums de football. En tout cas, ceux qui sont les plus récents. Mais là, j'ai très peu d'images de collées. Ça va être, j'en ai déjà récupéré. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, on passe à un de mes albums préférés, les Chevaliers du Zodiaque, qui est dans un format, cet album-là des Chevaliers du Zodiaque, un petit peu plus grand que ce qu'on trouve, que ce qu'on pouvait trouver habituellement. Voilà, hop, c'est à côté de Rémi sans famille ou de Roger Rabbit. Voilà, l'album des Chevaliers du Zodiaque qui était un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, avec à l'intérieur un poster. Alors, j'ai plusieurs albums Chevaliers du Zodiaque. Ici, le visuel avec les armures, c'était magnifique. Donc j'en ai un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc ils sont tous à peu près complets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complets mais qu'il manque peu d'images dedans. Alors que là, le tas de cartes d'images est en train de tomber. Donc j'ai un poster qui est incomplet que j'essaie de finir. C'est une de mes priorités pour ce qui est des échanges Panini. Compléter mes posters de dessins animés. Voilà les images. Je ne peux pas résister à envie de vous montrer Sean qui se fait. Alors, pas cette image-là, mais Sean. D'ailleurs, le poster était là parce que là, c'est le milieu de l'album. L'image de Sean qui se fait attaquer, qui se fait agresser. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver. Qui se fait attaquer par les roses, on va dire ça. Les roses d'Aphrodite. Mais alors, ici, non. À la tête. De Seyar. Donc ça c'était l'album que je préférais collectionner quand j'étais petit. J'étais vraiment à fond dans les Chevaliers de Zodiaque et je suis toujours. Alors où est cette image de chaîne? Donc sur une autre chaîne où je montre les albums, je vais refaire, vu que je me remets en Panini. Je vais pouvoir compléter. Ah, c'est peut-être un autre album. Non, c'est l'album numéro 2. C'est pas cet album-là des Chevaliers du Zodiaque. L'album numéro 2 qui reprend le film Abel. Donc, l'île aux enfants maintenant, Casimir. Il y a peu. Non, si, il y a beaucoup d'images collées dedans. Donc, celui-ci est assez abîmé. En même temps, il est assez ancien. Hein. Tout le bord ici est en train de partir. Donc, pas mal d'images qui sont collées dedans, mais bon, c'est trop. Pour quelques images qui manquent, c'est très compliqué de retrouver des images de cet album-là. Plus les albums sont vieux. Ah, voilà ce que je vous disais. Si sur cette page, une page entière, avec que des images. Donc, ça, c'est la première fois que je vois ça. D'avoir tout autant d'images collées les unes avec les autres. Bon, il m'en manque une. Hein. Donc, 12 images pour faire un grand visuel comme ça. On ne voit plus ça maintenant. Hein. DuckTales, la bande à Picsou, celui-là je l'avais. Je l'avais quand j'étais petit. Je crois qu'il est. Non, il n'est pas complet du tout. Hein. Non, non, c'est pas celui-là qui est complet. Donc je n'ai qu'un seul exemplaire de cet album-là. Les Schtroumpfs,
Ça, par contre, j'en ai un complet avec un joli visuel derrière. Donc ça, c'est un exemple d'album qui n'était pas gratuit. Il coûtait 2 francs. Donc 2 francs, c'est-à-dire qu'on est au début des années 80. Donc c'est 83 ici. Donc j'en possède un, deux et trois. Et comme pour d'autres collections, si vous avez plusieurs exemplaires du même album que vous avez trouvé, j'entends, pas que vous avez acheté, que vous avez collé vous-même les images. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas sur ces trois albums-là. C'est celui qui est le plus abîmé, donc celui du milieu, qui est le plus complet. Il est complet, il y a toutes les images dedans. Donc, sur d'autres albums que je possède dont je possède plusieurs exemplaires, j'ai la même chose. C'est l'album qui est le plus abîmé, qui a été complété, parce que c'est celui qui a été le plus manipulé, j'imagine. Voilà. Donc celui-ci, c'est un exemplaire gratuit. Celui-ci aussi, c'est un exemplaire gratuit. Du coup, derrière, vous avez une pub. Hein. Une pub pour le journal de Pif. Alors que sur l'album, qui n'est pas gratuit, lui, qu'il fallait acheter à l'époque, vous aviez une jolie image. Hein. Donc tous les albums n'ont pas de version gratuite. Donc un autre album parmi ceux que je préfère collectionner, c'est Cobra. Une, deux et trois. Donc Cobra, c'est 1982 ici, en tout cas pour l'œuvre. L'album un peu plus récent, 85. Voilà. Donc 85, j'avais 6 ans, donc j'étais un peu trop jeune pour collectionner Cobra, mais j'en ai eu quand même à l'époque. Mais les paquets d'images, je ne pouvais plus s'acheter quand moi je collectionnais les Panini. Enfin, quand j'ai eu mes albums d'enfants, quoi. Donc celui-ci, très peu complet, voir aucune image juste dedans. Enfin, si, il doit y avoir quand même quelques images dedans. Celui-ci, il est complet, on va dire à moitié. Avec le milieu qui sert de. Sur lequel on pouvait coller toutes les brillantes. Voilà. Alors qu'on entend le générique des maîtres de l'univers, mais j'ai pas fini avec Cobra. Donc, et celui-ci, donc comme pour les Schtroumpfs, c'est le plus abîmé. Ici, c'est tout parti. Il ne tient que par le haut ici. Le milieu. Je vais juste vous montrer le milieu et la page avec les brillantes. Donc ici, on n'a pas affaire à un poster, pourtant toutes les brillantes sont sur la page du milieu. C'est pas le poster, alors que le chat s'invite dans la vidéo. Allez, essayez d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est pas le poster parce que au dos de ces images-là, de ces feuilles, vous avez le reste du poster. Donc vous pouviez l'enlever si vous voulez le mettre au mur. Mais techniquement, on peut pas dire que ce soit le poster de l'album. Donc celui-ci est encore incomplet, il manque peu d'images, mais je pense que je vais réussir à les récupérer. Alors que le chat essaye de boulotter les albums. On a entendu Musclor, donc voici l'album, Les Maîtres de l'Univers. Très, très sympa, je collectionne les maîtres de l'univers, les jouets, et il manque peu d'images, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Donc je l'ai vu qu'une seule fois, c'est pour ça que j'en ai cassé l'exemplaire, et il manque peu d'images. Voilà, après je vais essayer de le compléter comme les autres pour lesquels il manque peu d'images. Magnifique. Astérix, l'album lui il est complet aussi. Voilà, alors ici on n'a pas affaire à des images sur cette page, mais des autocollants. Parfois ils sont une partie transparente, donc voilà, vous avez comme un système de pochoir pour les coller. J'étais pas fan de ça, moi je préférais coller les vignettes bien carrées ou rectangulaires. Donc les visuels là qui sont carrément repris des bandes dessinées et des visuels qui sont tous officiels, c'est très 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 sympa. C'est un très très, très bel album. En plus, j'ai la chance de l'avoir en état très 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 correct. Hein.
on entend Jace, j'avais préparé pour montrer cet album-là, donc avec Les Chevaliers du Zodiaque, Jace et Olivier Tom, c'était les trois albums que je préférais, hein. Magnifique, Jace. Les Brillantes, en première page, là. Donc c'est incroyable d'ouvrir, pouvoir acheter un paquet de Jace et de pouvoir trouver des brillantes à l'intérieur. Donc pas de poster à l'intérieur de cet album, mais donc les brillantes qui étaient collées. Voilà. Donc celui-ci est complet, à une image près. Mais je pense, je suis en cours avec un échange pour pouvoir récupérer l'image. Alors c'est pas une image qui me manque, c'est une image que je dois changer. Alors c'est l'image, voilà ici là. J'ai deux images, 117 et 118, et vous voyez c'est les deux mêmes. Donc j'ai vérifié sur un scan, mon image 118 n'est pas la bonne. Normalement ici c'est une autre image. Donc je vais essayer de... Normalement je vais pouvoir la récupérer et changer ça. Mais après, une fois que j'aurai changé ça, l'album sera complété. Donc je suis très 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 content. En plus on entend le générique là. Donc ça me plaît beaucoup. The Real Ghostbusters, SOS Fantôme, d'ailleurs avec Bouffetout. 5 francs l'album, donc on est fin des années 80 j'imagine. Voilà, on est 89. Avec des images holographiques, donc c'est des espèces d'effets où c'est pas des brillantes, mais alors on voit pas grand chose. Moi j'aime pas du tout, hein. Comparé aux brillantes qu'on pouvait trouver dans d'autres albums. Donc il n'est pas complet. Mais il manque relativement peu d'images. Inspecteur Gadget. Combien coûtait celui-là? 2 francs, donc on est début des années 80. Voilà, on est en 80... Ah, 80, 84, voilà. Quelque chose de marrant sur cet album, c'est que j'ai listé les images qui manquent. Et il y en a à peu près une dizaine. Les images qui manquent, j'ai listé pour essayer de faire des échanges. Pouvoir le compléter, parce que à partir du moment où il manque peu d'images, je pense que je vais pouvoir les récupérer en faisant des échanges. Et à la fin, dans le petit encadré ici, la personne à qui appartenait l'album, le petit garçon j'imagine, a rempli le formulaire et je suppose que ses parents ne l'ont pas donné un chèque pour qu'il puisse envoyer à Panini et recevoir les images qui lui manquaient. Donc j'ai listé exactement les mêmes images sur le site Panini Mania pour essayer de les récupérer et réussir à compléter cet album. Voilà. On arrive au bout avec donc un de mes trois albums préférés, en tout cas de l'époque, Olivier Tom. Donc pas de poster dans cet album. Voilà. Mais bon, quel plaisir de collectionner Olivier Tom. Encore aujourd'hui avec Captain Tsubasa, les brillantes de la première page, voilà. Donc mon but, en vous montrant cette collection, c'est pas de vous montrer ce que je possède, parce qu'il n'y a pas de collectionneur, c'est uniquement de vous replonger dans cette nostalgie des albums Panini, voilà. Il y en a encore qui collectionnent actuellement, parce que ça continue de sortir. D'ailleurs, on va voir avec les séries qui sont très 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 sympas. Donc Olivier Tom, je n'ai pas complet, celui-ci c'est le plus complet que j'ai je pense, parce que si j'ouvre l'autre, il y a beaucoup moins d'images dedans. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de compléter, cet album. Alors, par contre les visuels, ils sont celui-ci ça va encore, même si c'est pas quelque chose de fidèle. Mais à l'intérieur, c'est plutôt moche, hein. On ne peut pas dire que ce soit beaucoup foulé pour cet album d'Olivier Tom. Et eh bien voilà, on a fait le tour pour les albums des années 70 et 80. Donc la prochaine vidéo, ce sera les albums des années 90. Salut, salut!